Déposez dès maintenant votre intention de prière au 0892 46 00 12. Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle. Sainte Vierge Marie, je vous confie un jeune homme qui a eu un accident grave. Aidez-le à s'en sortir. Et je vous confie aujourd'hui aussi mon fils qui fête son anniversaire. Guidez-le et intercédez pour leur guérison. Priez pour moi et mes enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour confier à Notre-Dame toutes nos intentions, toutes nos difficultés de famille. Voilà, merci beaucoup. Merci de prier pour André qui est en fin de vie. Que Saint-Joseph prie bien pour lui. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Méditons les mystères lumineux du rosaire avec les pèlerins présents à Lourdes et tous ceux qui sont unis à nous à l'écoute de la radio, branchés sur KTO ou connectés sur Internet. Premier mystère lumineux, le baptême du Seigneur. Jésus se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Le baptême de Jésus est l'image de notre propre baptême, par lequel nous avons été faits fils et filles de Dieu. Prions pour que les baptisés redécouvrent le sens de l'accueil et du pardon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez
Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Par cette parole, Marie nous livre le secret de sa vie, elle qui s'est entièrement vouée à accomplir la volonté du Père. Prions pour les malades, pour ceux et celles qui les accueillent et les soignent jour après jour. Que la joie de l'Évangile habite leur cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous pécheurs. Troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume. Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. En ce jour où nous célébrons Saint André Dunklak, prêtre vietnamien, et ses 116 compagnons, évêques, prêtres, laïcs, tous morts pour leur foi, prions pour les chrétiens discriminés ou persécutés. Ils sont les martyrs de notre temps. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation,
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons besoin de vous. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre. Prions pour les moines et les moniales qui témoignent de celui qu'ils contemplent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria, Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous pécheurs. Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra toujours. Dieu donne sa vie à qui l'accueille et le reçoit. Unissons nos prières à l'intention pour l'évangélisation proposée par le pape François en ce mois de novembre, pour que dans les paroisses, prêtres et laïcs collaborent au service de la communauté sans céder à la tentation du découragement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous pécheurs. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Frères et sœurs, cette exhortation de Jésus prend place dans le discours où il annonce la ruine du temple de Jérusalem, les signes avant-coureurs du jugement du monde, les persécutions des croyants. Le caractère cataclysmique de ces événements est exprimé par le vocabulaire. Désarroi, nation affolée, désemparée, homme qui meurt de peur, puissance des cieux ébranlée. L'évangéliste adopte le style des Apocalypses pour traduire l'épouvante des croyants face à la violence et à la destruction. À la différence de Jean, qui dans l'Apocalypse décrit l'écroulement de Babylone, la grande prostituée qui tire vanité d'avoir édifié la tour de Babel, Luc, lui, parle de Jérusalem, l'infidèle à l'Alliance. À la malfaisante Babylone, corrompu par la mondanité, le pape François oppose la distraite Jérusalem, ruinée par sa suffisance, une suffisance qui la rend aveugle aux successives visites du Seigneur. La corruption de Babylone, dit le pape, donne accès aux illusoires plaisirs, à un pouvoir tout aussi illusoire et empli de soi. Du coup, il n'y a plus de place pour le Seigneur, pour la conversion. Babylone est le symbole de toute société, de tout système social ou organisation personnelle éloignée de Dieu, éloignée par conséquent de l'amour du prochain et qui se condamne à pourrir d'eux-mêmes. Jérusalem, refermée sur elle-même, ne vaut guère mieux. Frères et sœurs, le jour où nous entendrons le son de la trompette, dans quelle ville serons-nous? Dans Babylone corrompue ou dans Jérusalem, toute porte close? Mais le message du Christ ne saurait être réduit à ces visions d'épouvante. Il est aussi promesse d'espérance. Écoutez, au moment où tombe Babylone, retentit le cri de victoire de la foule. Alléluia! Ainsi que la parole de l'ange, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Frères et sœurs, Jésus n'est pas un semeur de panique. Il nous invite à relever la tête, car notre rédemption approche. Dieu, de toute manière, aura le dernier mot. Les prophètes qui balaient le présent et les apocalypses qui projettent le salut dans l'avenir invitent à ne pas céder aux difficultés du moment, mais à continuer à croire au triomphe de Dieu, à maintenir intacte notre confiance en lui. Frères et sœurs, les signes dont il faut nous occuper et nous préoccuper ne doivent conduire ni à l'abattement, ni au découragement, moins encore à la paralysie, mais à l'amour de Dieu. C'est l'amour que Jésus est venu nous donner en partage. C'est l'amour qui est source de réconfort et l'unique solution aux calamités
et tragédies engendrées par nos sociétés. Frères et sœurs, cette même exhortation de Jésus que nous avons lue dans l'Évangile de ce jour nous a été proposée à l'ouverture de l'année liturgique qui s'achève. Elle doit nous servir à préparer avec décision la venue du Rédempteur. N'en déplaise aux poètes, l'histoire du monde n'est pas un éternel retour, mais une trajectoire contrôlée par Dieu. Abstraction faite de lui, cette trajectoire n'a pas de sens. Avec lui, il n'y a plus de place pour la résignation ni pour la rébellion contre le temps et les malheurs du monde. Il s'agit de relever la tête pour regarder du côté de celui qui vient pour préparer sa venue. Frères et sœurs, alors que des chrétiens et des non-chrétiens tombent sous les coups des persécuteurs, je vous invite à reprendre la prière par laquelle Jean-Paul II concluait au Colisée la journée de commémoration écuménique des témoins de la foi du XXe siècle, le 7 mai de l'an 2000. Seigneur, accueille aussi dans ton infini pardon miséricordieux tous les persécuteurs. Frères et sœurs, cette prière, il nous faut la faire monter de nos cœurs. « Vous n'aurez pas ma haine », écrit une des victimes des attentats du 13 novembre. En cette fin de l'année jubilaire de la miséricorde, souvenons-nous que relever la tête, c'est aussi croire et annoncer l'inouï de la miséricorde de Dieu pour tous les pécheurs. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre providence, délivre-nous de la crainte et donne la paix à notre temps. Par ton amour, libère-nous de nos peurs. En ta miséricorde, redresse-nous. Fais-nous voir ta promesse et que nous soit donné ton salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Vierge Marie, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Avec insistance, la dame trois fois a dit pénitence, chrétien, c'est pour toi.